juste le temps qu'ils comprennent ce qui se passe. Maman, me laisse pas ici. C'est l'histoire de quelques jours. Tu verras, ça passera très vite. Suzanne, allons-y. Pas la peine de faire traîner les choses. Sois courageuse. Tu es forte. Je sais que tu es forte. Je sais que c'est difficile pour toi de quitter ta maison et ta famille. Mais ici, on a de meilleures chances de comprendre enfin ce qui t'arrive. On trouvera un moyen de te protéger. Non, personne ne peut me protéger. Toutes tes affaires sont dans ce sac juste là. Cole et moi, on est juste à côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ou si ça ne va pas, appelle-nous et on arrivera tout de suite. D'accord ? Bonne nuit, Judy. Pour me changer. J'espère qu'ils n'ont pas mis de caméra ici aussi. C'est l'heure d'aller se coucher, Jody. Je vais éteindre la lumière maintenant. Bonne nuit, Jody. Attendez! Laissez la lumière dans le couloir. J'aime pas quand il fait noir. D'accord. Ça va comme ça? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. N'aie pas peur, Aiden. On va dormir tranquillement et il nous arrivera rien de mal. J'arrive pas à dormir, Aiden. Je crois que j'ai besoin d'une histoire.
dis! Appelle un médecin, vite! C'est bon. Tout va s'arranger. Aiden n'a plus peur des monstres maintenant. Je t'ai dit non, inutile d'insister. Je t'en prie, Nathan, juste ce soir. Il y a toutes les autres filles de ma classe qui vont y aller et je reviendrai pas tard, c'est promis, d'accord? Tu ne me feras pas changer d'avis, Jodie. C'est vraiment pas juste! Comment ça se fait que je dois rester ici alors que tout le monde y va? C'est vrai, quoi. Enfin, la semaine, je fais tout ce que vous me demandez. Et en récompense, j'ai jamais le droit de m'amuser. Pour la centième fois, tu sais que tu n'es pas comme tout le monde, Jodie. Il y a des règles. Ouais, bah j'ai pas demandé à être différente. J'ai juste envie de sortir et d'avoir des amis et d'être comme toutes les autres filles de mon âge. Tu ne pourras jamais être comme elle. Il faut que tu te fasses à cette idée. Bonne nuit. Ah! Je suis juste à côté. Appelle-moi si tu veux quelque chose. Oui, vas-y, vas-y. Arrête un peu, Jodie. Tu sais très bien que ça ne sert à rien. Tu peux pas sortir. Point final. Ça suffit. Ça ne t'apporte à rien. Suffit, Aiden! Arrête, ils en ont rien à foutre qu'on bousille tout ce qu'il y a dans cette putain de pièce! Il va falloir trouver autre chose si ça fonctionne pas. Oui. Oui, elle s'est calmée. Elle a d'abord ravagé l'appartement, mais. Vraiment désolée, Cole. Je m'en veux vraiment de te faire ça, mais... Tu me comprends, pas vrai? Je dois sortir ce soir. Oui, je sais, mais... C'est trop tard.
évidemment. Salut Cole, Jody. Il est pas un peu tard pour se promener? Ah, c'est une idée de Nathan. Il m'a demandé de m'entraîner dans le bâtiment D. Faut croire que mes journées sont pas assez longues pour toutes les expériences qu'il veut faire. C'est marrant parce que je viens de parler au professeur Dawkins et... Oui, il m'a appelé sur mon portable et... J'en sais rien, on dirait que soudain il a eu un éclair de génie ou un truc comme ça. Alors, ouais, il veut que je fasse une nouvelle expérience, mais bon, moi, j'en sais pas plus. C'est comme ça les scientifiques, ils cogitent sans arrêt. Oui. Quoi de neuf, Cole? T'as perdu ta langue? Hmm? Il a plus de voix. Il a attrapé un virus, je crois bien. Alors, le pauvre, j'ai pas réussi à lui faire dire quoi que ce soit depuis des heures, alors... J'espère que c'est pas contagieux, au moins. Tu devrais aller te coucher, si tu veux, mon avis. C'est plus prudent pour nous. Bon, très bien. Allez-y. Vous pouvez y aller. Bon, au moins on n'a pas à chercher la voiture de Cole. Il y a des caméras partout. Je ferais bien de pas trop m'éterniser dans le coin. Monte dans la voiture et ensuite démarre. Pas bien caché là. C'est sûr, c'est pas une évasion très classe, mais on s'en fout. Allez, on y va, Aiden. Évite d'attirer l'attention, d'accord? Tu me pardonneras, hein. J'en ai pas pour longtemps. Ça va aller, tout ira bien. Aiden, emmène-le dans la forêt et veille bien sur lui.
On est arrivé. Les filles sont sûrement déjà à l'intérieur. Elles sont pas arrivées. On va attendre. Tate, quel âge vous avez ? J'ai 21 ans. Je veux juste une limonade. Oui, je suis au courant. Nathan va être furax. J'espère que ça vaut le coup. Non, en fait, je préférerais jouer toute seule si ça vous dérange pas. Tu veux jouer au billard toute seule ? Il faut deux pour jouer au jeu. Les dames d'abord. Alors, qu'est-ce que t'es venue faire ici toute seule ? Je suis juste venue retrouver quelques copines. Elles seront là dans pas longtemps. T'essaies de m'en mettre plein la vue ? Tu veux que je te dise ? Je te trouve un peu jeune pour être ici. T'as quel âge ? J'ai 21 ans. Waouh ! Là, tu m'épates. Tes parents savent que t'es ici. En fait, j'ai fait le mur pour voir mes copines. Oh, bah ouais, tes copines. Celles qui sont pas encore arrivées. Hé ! Laisse-moi tranquille ! Allez, ma belle, je suis sûr que t'en meurs d'envie. Amène-toi ! Viens là, espèce de trouillard !
Il faut qu'on se tire de là, vieux. J'aime pas ça. C'est pas le moment de se dégonfler, Frank. Oh, Jody! Je suis là. Est-ce que tu vas bien? Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé?